Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost et aujourd'hui on se retrouve avec Gauthier Wesh. sur Hearthstone Heroes of Warcraft. Donc Yeah. je sais pas si t'as envie de leur expliquer ce que c'est. Bon, pour faire simple, c'est un jeu de cartes. Mais après, le problème, c'est que, déjà, on va faire simple. Pour ceux qui connaîtraient Magic the Gathering, c'est la Les même jeux de chose. cartes magiques. Voilà. Magique. Et donc, en fait, le but, c'est on a chacun un héros. Et on possède donc un jeu de cartes et on doit se débrouiller pour réussir à enlever tous les points de vie à l'autre héros sans soi-même mourir. Voilà, Juste. au pire, je vous mets un lien directement sur Hearthstone. Donc, c'est un jeu de battle, enfin de Blizzard, si je me trompe pas. Ouais, donc c'est Battle.net, donc ceux qui font World of Warcraft, Diablo 3 et Starcraft. Voilà. Donc, je tiens quand même tout de suite à préciser, Gauthier est largement meilleur que moi, donc je vais sûrement perdre. Mais on va faire, je pense, deux parties. Ouais. Bah, c'est parti. Donc, moi, je prends un deck voleur. Après, je prendrai mon deck mage. Étant donné Moi, j'ai pris qu'avec un prêtre. prêtre, t'es niveau combien? 8. 8 ou Ok. 7, je sais. Avec mon voleur, je suis niveau 2. Et mon mage, je suis level 15. Donc là, voilà. J'ai des cartes, comme vous pouvez le voir. Provocation, donc les adversaires doivent attaquer ce serviteur en premier sans pouvoir attaquer aucune autre carte. À part des pouvoirs spéciaux. Inflige 3 points de dégâts au héros adverse, donc c'est le perso, celui-là. Je leur montre avec mon curseur, hein, c'est plus facile. Donc moi, je suis de là, et Gauthier là. C'est très bizarre. Et en fait, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est pour éviter que, pendant que l'autre joue, on se fâche, on s'embête plutôt, enfin on s'ennuie, mais en fait on peut interagir avec les trucs, enfin avec les décors, hein. Du coup regardez, je peux casser les vitres. Là je peux éteindre la lumière. Je peux faire sonner la truc. Enfin bref. Je peux casser le seau d'eau. Enfin bref, voilà, on peut interagir avec les décors et c'est assez sympa. Et alors les décors qui sont très jolis, parce que ça fait vraiment le plateau de cartes, mais un peu stylisé en 3D. Voilà, un peu style quoi. Ah oui, donc on peut aussi interagir avec l'adversaire en lui disant bonjour. Oups, bref, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai deux cristaux. Et que là, pour invoquer une carte, ben là, c'est par exemple 6, 4, 7, 5. Et là, je peux invoquer donc une dague qui va, en gros, me permettre d'attaquer avec mon héros. Bon, avec enfin, une puissance très réduite, hein, vu que c'est un d'attaque. J'ai 30 de vie, donc je me fais attaquer. Enfin, j'ai 30 points de vie, quoi. Et voilà. Donc là, en gros, un point d'attaque, c'est égal à un point de vie en moins. Voilà. Et donc ce petit, pour lui, c'est des dagues. Et en fait, ça, c'est le pouvoir héroïque. Moi, De ça voleur. rend 2 PV. Lui, c'est. Ouais, rang de PV à. Mais tu peux le rendre à n'importe qui ou juste à ton héros? Non, non, à n'importe qui. Même à Ok. toi. Oui, ça, je sais. D'ailleurs, on peut même s'attaquer soi-même. Bon, après. L'utilité. Voilà quoi. Ah, mais j'ai pas de carte. Non, si je t'attaque, je vais perdre 2 points. Ah, bah, dans tous les cas, je perds 2 points si tu m'attaques. Fin du tour. Ah, j'aurais pu me redonner une dague trop tard. Donc, on va pas trop parler parce qu'on est assez concentré. Donc, Gauthier, c'est Nonos et moi, c'est Ghost. Et là, en gros, vous avez un historique de ce qui se fait dans la. Dans, enfin, dans la bataille, dans le jeu, quoi. Donc là, il a Bon, posé c'est pas un telle ou telle historique carte. complet, hein, c'est. C'est assez précis, quand même. Ouais, c'est les quelques dernières actions, on va dire, en fait. Voilà, bah, oui, c'est ça, voilà. C'est quoi? Hop, on va quand même poser une carte. En gros, mon deck, en fait, je l'ai créé, mais on choisit pas dans quel ordre on va avoir quelle carte. Du coup, bah, on peut avoir très bien les plus grosses au début, donc on peut pas invoquer nos cartes. Et ça rend la chose assez difficile. Voilà. Donc il y a plusieurs types de cartes. Par exemple, moi là, là vous avez vu les petites créatures. Par exemple, là je vais lui lancer un pouvoir, un sort, Qui est qu'un gros bâtard. qui Voilà. détruit un serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Donc l'attaque, c'est la petite chose jaune, et la Et vie, bah, c'est la petite j'avais deux, dose. donc c'est bon. Ouais.
Il y a plusieurs cartes comme ça, il y a des attaques pour givrer les adversaires, enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Si vous voulez vraiment savoir plus, allez sur le site parce que bon, nous, enfin moi en tout cas, je suis pas un expert du tout. J'ai commencé à jouer hier en fait, hein, pour tout vous dire. En gros, quand la vidéo sera postée, c'était avant-hier. Ou avant-hier? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc là, j'ai mis enfin, une carte provocation. Donc il est obligé de l'attaquer celle-là. Parce que c'est comme ça, voilà. Et en gros, quand il m'attaque, en fait, mon personnage l'attaque en même temps. Du coup, par exemple, là, avec son perso qui a 4-4, il va m'attaquer, il me tue, mais moi je le tue aussi. Vu que j'avais 5 d'attaque et lui que 4 de vie. Ouais. Et là, il me fait chier. Mange-toi ça. Et on va mettre un gros provocateur. Qui va nous. Enfin, qui fait du 6-5. Donc c'est un jeu vachement bien. En ce moment, j'y joue beaucoup. Donc je pense vous faire 2-3 vidéos, voire plus. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Tu m'embêtes. Ah. 1, 2. Là, ah, il m'a enlevé 2 points, donc il m'attaque. Et il m'a détruit ma carte et il peut m'attaquer mon héros en principe. Hein. Moi, ta carte elle dort, mais je crois pas. Non, non. Double carte. La prêtresse au Schneider. Alors. Dans tous les cas, c'est compliqué. Tu saoules. Bah j'ai pas d'autre choix que de me défendre vu que Il y j'ai aura pas le une temps de chien. poser mes cartes. Elles sont détruites à chaque fois. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Tu m'as rendu 2 PV, c'est sympa. Ah Non, je d'accord, clarifie. ça me les enlève. Parce qu'en fait, tu vois, la carte que j'ai posée, elle fait que mes cartes et mes pouvoirs qui normalement rendent de la vie, ça en inflige des dégâts à la D'accord. place. Donc en fait, mon pouvoir héroïque qui normalement me rend 2 PV. Bah là, il inflige 2 dégâts. Donc c'est très bien. C'est plus compréhensible en effet. Ça, c'est pour faire des decks prêtres bourrins. Votre magie ne vous sauve pas. Alors toi tu fermes ta bouche maintenant. Je l'ai réduit au silence, du coup il pourra pas attaquer au prochain tour et. C'est ça, hein, non? Non, alors en fait, Ah non, réduit mais au ça te silence, bloque ça... tes pouvoirs, excuse-moi. Voilà, Ça donc bloque son maintenant mes pouvoir. pouvoirs rendent de la vie. Il n'y a Voilà. plus. Allez, rends-moi de la vie. Tu peux le refaire, hein. Détruire un serviteur, d'accord. Boum. Complètement cheaté comme carte. Ça par contre, on va pas être copain. Alors vraiment pas copain. Alors toi aussi, tu m'énerves, voilà, dégage. Tu t'amuses à me le faire, eh ben je te le fais. Ça, c'est une bonne carte, Assassiné. Enfin, de toute façon, c'est une des meilleures cartes Oh, du je jeu vais pas Assassin. attaquer, je vais direct le blesser parce que bon. Si je l'attaque, je meurs dans tous les cas, donc autant en profiter pendant au moins un tour. Ah, là, j'ai une des meilleures cartes du jeu prêtre. Je l'ai que en une fois, parce qu'elle est vraiment rare. Heureux début de votre tour. Ah oui. Oui, elle m'avait déjà fait chier. Dans une autre partie. Dans une partie antérieure. Encore? Ouais, bah, je l'ai en deux fois Aïe. même. Il m'énerve. Hop là. À toi. Alors, faut voir qui est-ce qui guérit. Plus 3 quoi. Ouais, il se Quelle guérit de arnaque. Lyon. Priorité. Quelle arnaque. Alors, attends, là, je réfléchis. Je fais ça.
Oh l'enfoiré. Maintenant je fais ça. Change d'attaque d'un seul. Oh l'enfoiré 2. On va le guérir. Ah, et puis va. On va faire un dernier truc. Super. Ah mais tu peux gagner l'arnaque. L'arnaque. Attends, juste pour le plaisir. Pouf. Ah l'enfoiré. Ah l'enfoiré. L'enfoiré. Attends, je veux juste montrer à quel point des fois on peut faire des putains de trucs. Ouais, mais tu veux que je fasse quoi? J'ai plus de cartes. T'as quoi en moi? J'ai aucun protecteur. T'as pas d'assassiné ou des. Moi je peux faire des trucs comme ça, genre. Eh bien, Berserker. C'est quoi? Je me suicide. Voilà. Suicide. Yeah. Comme ça, t'as pas le plaisir de me tuer. Défaite. Bon, d'un côté, j'ai des fêtes, mais ça, je monte quand même de niveau, donc ça dérange oui, qu'à moitié, change. Quoi. C'est toujours mieux de ouais. Gagner, quoi. Je vais jouer avec un deck tout fait. Deck mage, hop, c'est perdu. J'ai de... On a un deck tout fait. Chasseur. Non. Moi, j'ai pas encore créé les decks de chaque classe. Faudra que j'en fasse un. Faudra que j'en fasse un pour chaque et ensuite que je les monte tous niveau 10, comme ça j'ai toutes leurs cartes de base et... Bon allez, je joue avec un deck que j'ai fait. Mon deck... T'as pas fait le deck Murloc? Murloc. Non, Murloc, non. Ah, c'est bon. Oh là là, ouais. Ah merde, j'avais supprimé, c'est vrai, mon deck avec toutes les merdes. Toutes les cartes à 1. Voilà, c'est ça. Moi j'ai pas une bonne main du tout. Moi en plus je change quasiment tout. Moi j'en change 2. Parce que moi je change 3. Bah toi t'en as 4 donc. Moi j'en ai 4. Voilà. Oh super de me donner un chien du magma dès le début. Ah bon, moi j'ai aussi un truc qui coûte 7. Je peux vachement l'utiliser maintenant. Toi. A vous de jouer. C'est parti. Ça c'est une très bonne carte. Avec un camouflage qui veut dire qu'il ne peut pas m'attaquer tant que j'ai pas attaqué. Ouais, je peux pas lui attaquer sa créature. Une pouvoir héroïque au druide, c'est de donner un point d'armure et un point d'attaque. Druide. Du druide, oui, c'est ce que j'ai dit. Non. T'as dit druide. Ah, oui, non, druide. Du druide. Ah, l'attaque. Oh là 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 là. Non, mais lui, vous allez voir, il va sortir une carte genre inflige 4 dégâts à chaque carte et hop là. Ils vont tous dégager. Non, j'ai tué. Oui. Oh non. Et c'est tout. Bon, ils sont exactement pareils, donc du coup. Juste pour ça. Du coup. C'est ça le problème avec mon deck, c'est qu'il coûte cher au début. Faut réussir à temporiser. Bah, moi, j'ai aussi un deck en fait où j'ai. En fait, j'avais. Au début, quand je l'avais fait. J'avais pas calculé en fait tous les sets et tout, et du coup j'avais choisi un peu. Enfin, quoi, l'image me plaisait, je cliquais dessus quoi. Un fiche de points de dégâts. Oh le vilain. Le vilain petit garnement. Yeah. Allez hop, faut bien que je me protège un petit peu. Ah, c'est dommage, j'ai pas encore. Guerrier désobligeant. Une nouvelle carte là que j'avais choisi, enfin que j'avais ajouté dans mon deck, je sais pas si je l'ai fait dans celui-là. Une carte en or. Donne au serviteur adjacent plus 1 et plus 1. Provocation, d'accord. Oui, je le fais que sur 1, parce que voilà, parce que YOLO. Mais c'est là où. Parce que j'ai pas grand chose en main en fait. Enfin j'ai plein de choses mais cher. Du coup. Je peux faire ceci. Comme ça, ta carte en or, eh ben, elle est pas super utile. Hein. Bon, tu peux finir ça, voilà. Là, il va me sortir une carte du style, il va tout me défoncer. Allez, fais-le, je sais que tu en rêves. Je peux pas. Ah, c'est dommage. Pourtant, t'as déjà 6 rubis. Enfin, cristaux. Ouais, mais j'ai pas les cartes qu'il faut. Plus 2 PV, provocation. À l'arnaque. Bon, allez, hop, et maintenant il finit. Mon petit ouais, perso. Mais je suis à 16 HP.
N'oublie pas ça. Oui, mais tu vas quand même gagner. Ah, du coup, je vais me protéger un petit peu. Travail terminé. C'est tellement épique. Oh, il va me sortir un truc de gros cheater. Oh, j'ai jamais capté quand tu tapes dans l'eau de la cascade, ça fait un arc-en-ciel. Ouais. Ah, bah, ouais, je vais vite fait. T'as posé quoi en fait? J'ai même pas regardé ce qui se passait sur l'écran. Alors en gros, je peux décider soit je la pose, donc c'est 7 pour une 5-5, et soit ça devient 7 pour une 5-10 provocation, soit 7 pour une 10-5. Hein? What? Je comprends c'est pas. Une très très bonne carte, Dwayne. C'est une épique. Ouh, un chinaman. Du coup, c'est un provocation. Ouais. Mmh. Du coup, c'est très embêtant. Oui. Tu as pas d'attaque étoile quand même. Bon, je vais laisser. Comme ça, tu vas détruire ma carte, mais tu pourras pas tous les détruire. Hein. C'est ça l'avantage. Oh l'arnaque. Voilà le truc qu'il a à chaque fois. Que j'ai une bonne carte. Bon, dans tous les cas, tu me tuais. Hein. Là, le petit coup trop sympathique. Ah, tu vois le mec que tu viens de tuer? Oui. Chiant. Your very désobligeant. Je ne veux pas suicider ma carte contre toi. Je vais attendre que tu m'attaques, hein, parce que si tu m'attaques, t'es mort. Ah. C'est pas vrai. C'est le but du deck druide. C'était un... Bon, attends, pour déjà faire alors ça. Alors ça, c'est pas sympathique, hein. Vous allez adorer ma nouvelle recette. T'as joué toi? Attends. Ah, je peux pas la voir. C'est une 7-7 qui fait quoi? Qui a quelque chose? Voilà, tu me feras moins mal au prochain tour. Hein. Mais c'est un peu con ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. C'est même très con. Je peux pas revenir en arrière. Bon. Tu me le tueras, non! Ah non, il va faire un truc genre hop, récupère 25 000 PV. Non, non. Et il me dit pas non, non, je sais très bien que t'as un truc en tête. Oui, mais. Tu vois? Attention, attention. Que va-t-il faire? Super! Donc on fait ça. Allez hop. Super, encore plus! Allez hop, finis-le-moi, je sais que tu en rêves. Ouh, tu vas te prendre 7 PV quand même. Hein. Oui. 7. Ah, mais t'avais 5 d'armure, j'avais pas vu. Ouais, quand même, j'avais fait un peu gaffe. Ah, t'avais tout prévu en fait. Hein. Non, surtout que je m'étais mis de l'armure au cas où, quoi. Enfin... Alors là, je peux te dire que t'es dans la merde. Voilà. Je sais que t'es malheureux maintenant. N'empêche que tu peux me tuer mon ancien de la guerre dorée, de la mort qui tue. Ouais, ciao. Comment ça me saouler, hein. Allez, fais de nouveau un petit truc, une carte qui me tue 5 PV, allez, fais-le. J'ai pas un coque. Ah, tu dois en avoir une qui fait 4, alors. J'ai beaucoup de trucs en fait en main, donc j'hésite vraiment à jouer quelque chose. Oh. Un flèche 3 points de dégâts. Super. Oh non, c'est quoi encore cette connerie? C'est la temporisation du druide.
8 pour une 8-8 provocation. À cause de toi, tu me mets dans la merde. Tant pis. N'aime pas les furies des vents. Au lieu de te faire ça, je vais faire ça. Tu commences à avoir beaucoup de trucs, toi, là. T'es un peu désobligeant, mon petit. Ah, tu vas sortir une carte qui va tout me détruire. Allez, je sais que tu en rêves. Allez, fais-le, je sais que t'en as envie. Non, j'ai pas de quoi. Comme par hasard, deux provocations, quoi. Non, mais je vous jure, les jeunes de nos jours. Bah, ça me fait temporiser, quoi. Un vrai petit dissident, hein, celui-là. Du coup, par ta faute, je suis obligé d'utiliser ça. Hop. Hop. Salut. Oui, parce qu'en fait, vu que j'ai la furie des vents, je peux attaquer deux fois par tour. C'est un petit avantage. Provocation encore. Oh, mais t'es sérieux là avec toutes tes cartes provocation de merde? Ah bah là, faut que je temporise, hein. J'ai eu le légendaire des druides, Cenarius. Donc c'est soit je donne plus de à tous mes autres serviteurs, et c'est 9 pour une 5-8, soit j'invoque deux Tréants avec provocation. Mais je pense que enfin, je suis mort quand même. Oh! Oh yes! Tu vas me Oh tuer oui! comme un vieux! Oh oui! Oh oui! Alléluia! Alléluia! Bon, on fait la belle. Pour une fois que je gagne. Bref, les gens, j'espère que cette Ah vidéo non, vous. attends, faut faire la Quoi? belle là. Quoi? Faut faire la belle. J'ai gagné, t'as gagné. T'as annulé le défi, hein. Oui, je me fais un deck. Ouais, bah, je vais quand même arrêter la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois. Ciao. Salut.